Tunifère, tu es donc face à cette toile d'araignée géante. Voilà, après Spider-Man, voici Spider-Woman. Attention, agrippe-toi bien, fais-nous une jolie figure lorsque tu vas évoluer dans ce fort pour ton envol. Bonne chance à toi. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Céline, agrippe-toi bien. Super. Alors, elle a une petite clé dans les mains, avec un papillon de couleur. Pourquoi tu prends pas le premier? Parce qu'elle a un papillon de couleur, j'ai là. Une couleur. Alors, je vois pas la couleur qu'elle a dans la main, ça doit être sûrement le violet, puisqu'elle se dirige vers le papillon violet. Elle va pouvoir ouvrir le premier cocon avec sa petite clé, ce qui va lui donner un indice pour aller au prochain cocon. Il faudra bien qu'elle nous crie la couleur du papillon pour qu'on puisse l'orienter ensuite sur la toile. C'est bien, là? Ouais, elle a l'air tranquille. Ah, te revoilà. Je vois qu'il y a une autre Spider-Man qui prend la relève. Ça va, pas trop mal au droit? Je suis épuisé. À mon avis, les échelles, c'est pas pour moi. Quelle couleur? Rouge. Rouge, là, ok. Tout en bas, droite, en diagonale. Mais c'est en diagonale, ouais, ça peut être plus rapide. Ligne droite. Ça a tellement simple à regarder. C'est toujours comme ça, hein. Et en fait... Non, mais j'en veux plus. Allez, super. C'est bien, t'avances bien, là. Ah, elle est plutôt à l'aise. Hein. Ouais, ouais. Alors, de quelle couleur est le papillon à l'arrière? Vert. Vert. Ok, tout en haut. Ligne droite, tout en haut. Au-dessus de toi. Tu penses. Oh, à mon avis, j'étais pas jaune, hein, mais... C'est normal. Et donc, dans le dernier cocon, elle va trouver un code, Jennifer, qu'elle va nous crier, et ce sera le code du cadenas pour récupérer la cartouche, qui sera bien sûr le rose. Je pense que c'est le rose. Je pense que c'est... C'est bien, t'avances bien, t'avances bien. Bon, faut pas se laisser avoir par le temps, par contre. Voilà. Comme Cham, hein. Oui, oui. Ce serait dommage. Et voilà, le prochain jeu sera Spider-Woman. Je le sens. La relève. Jaune. Non. Comme c'est bizarre. À l'opposé, hein. Un peu. Ah, faudrait pas qu'elle, qu'elle se retrouve suspendue non plus par le câble ici. Elle peut pas embarquer avec elle. Sinon, ce serait moyen. Allez, allez. Allez, on y est. Tu me donnais bien la cartouche, faut pas que ça explose sinon. Allez, 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 allez. C'est logique. Allez, allez, Jennifer, allez, 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 Jennifer. Il faut se dépêcher. Peut-être que vous pouvez, Emmanuel, Cécile, vous mettre devant la boîte, devant le cadenas. Dès que tu as le code, Jennifer, tu nous le crées clairement et nous récupère la cartouche. Et ne fais pas tomber le code sur toi à l'intérieur. 31-45. 31-45. Alignez bien 31-45. Le cadenas. Et là, il ne faudrait pas se faire avoir tout de suite maintenant au cadenas parce que... Ah, elle vient de se lâcher, la mise. Oui, je l'ai mise. Très bien. Oui, super. Oui, allez, super. Vite, 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 dépêchez-vous de les... Ouais, super, bravo. Alors, génial. Bon, et ben voilà.